actes de soins d'urgence. Dans le cadre d'un acte de soins d'urgence prescrit par un médecin, vous pouvez être amené à réaliser la préparation et l'administration d'un aérosol médicamenteux. Vous disposez pour cela d'un kit de nébulisation composé d'un masque à aérosol, d'une cuve, d'un raccord à oxygène et de dosettes de médicaments. Le tout est conditionné avec une fiche d'identification du kit. En fonction du profil de la victime, vous pourrez également utiliser un kit pédiatrique adapté. Après une désinfection des mains, équipez-vous de gants propres et munissez-vous du kit conformément à la prescription médicale. Dévissez et retirez le capuchon de la cuve. Saisissez sans les écraser les dosettes de médicaments. Ouvrez-les proprement et versez tout le contenu dans la cuve. Revissez ensuite le capuchon. Retirez le masque haute concentration de la victime. Connectez à l'aide du raccord la bouteille d'oxygène au nébuliseur. Diminuez le débit litre jusqu'à 6 litres minute pour l'obtention d'un brouillard. Connectez ensuite le nébuliseur au masque aérosol. Placez-le sur le visage de la victime en la rassurant. Demandez-lui de respirer à son propre rythme, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Notez l'heure du début de l'aérosol sur la fiche bilan. À l'issue de l'intervention, scannez le QR code ASU qui se trouve sur la fiche et renseignez le formulaire d'acte de soins d'urgence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche technique.